Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, un épisode où on va s'occuper des fraises pour ma défonceuse. Des fraises, j'en ai plein, qui proviennent principalement de jeux un peu merdiques que j'ai achetés à bas prix, mais qui traînent un peu à droite à gauche. Il est temps de les réorganiser. D'abord, je les organise par diamètre de queue, donc 6 mm, 8 mm et 12 mm. Et ensuite, je vais essayer de les mettre dans une boîte. Pour ça, je coupe un morceau de MDF de 19 mm d'épaisseur. Je sais plus si c'est du 19 ou du 24, c'est pas très important. Je le coupe en largeur, je le coupe en longueur. Sur ma nouvelle scie à onglet, dont je parlerai dans pas longtemps. Et ensuite, on va leur mettre un quart de rond, puisque la boîte, elle n'est pas complètement carrée. Elle est un peu trapézoïdale et elle est chanfreinée. Donc, je vais mettre des chanfreins. D'abord, en éliminant le gros de la matière avec ma scie à ruban, ma nouvelle scie à ruban aussi. Et en allant finir le rond à la ponceuse stationnaire. Alors, j'ai dû refaire des petits ajustements, puisque je me suis aperçu que la boîte était trapézoïdale, et après avoir réajusté ça, paf, ça va pile poil dans ma petite boîte. Et donc, ma petite boîte, qu'est-ce que je vais lui faire? Eh bien, je vais lui faire des petits trous pour pouvoir mettre toutes mes fraises. Donc là, je trace en fait sur le morceau de MDF, avec un espacement plus ou moins régulier, les différents trous que je vais faire pour pouvoir entreposer mes fraises. Alors avant, j'ai bien fait attention que mes fraises rentraient bien au niveau de la hauteur. Quand mon marquage est fait, je peux pointer avec mon pointeau pour en fait que la mèche de la perceuse puisse se mettre dedans sans aucun problème. Et donc là, je vais percer en 12 mm sur ma perceuse à colonne. Je vais percer tous les petits trous. On verra après, mais justement, vu que mes mèches sont en 6, 8 ou 12, les percer en 6, 8 ou 12, c'est pas spécialement une bonne idée parce que ça rentre pas vraiment. Mais là, je fais la première passe qui va permettre de faire tous les trous sur toutes les plaques. Il y a à peu près 25 trous disponibles pour les 12 mm et à peu près une cinquantaine de trous, ou même voire un petit peu plus, je me souviens plus exactement, pour les fraises avec une queue de 6 et 8 mm. C'est un travail un peu ingrat, qui est un peu long, mais qui est vraiment pas difficile. À chaque fois qu'on a une intersection et un coup de poinceau, on met un trou. Donc là, justement, je mets une mèche, qui n'est pas une mèche à bois, qui est une mèche pour le métal, mais qui est en 6,5, et je vais pouvoir tester pour voir si ma fraise rentre dans ce nouveau trou qui a été fait, et c'est nickel parfait. Elle rentre pas sur celui en 6, mais sur celui en 6,5, il n'y a aucun problème. Le but, de toute façon, ils vont être protégés, entre guillemets, de la poussière et mis à l'abri dans des boîtes en plastique, donc c'est juste les tenir les unes par rapport aux autres, et pas plus que ça. Voilà, j'ai fait ceux en 6 mm, j'ai fait ceux en 8 mm que j'ai percé à 6,5 et 8,5. On va s'occuper à celle en 12. Et en 12, très vite, j'ai un problème. J'ai trouvé une mèche de 12, j'ai pas de 12,5. Donc je suis allé à la PADAF voir les copains à droite à gauche, savoir s'ils avaient une mèche de 12,5. J'ai trouvé une mèche de 13 qui sera bien plus que suffisante. J'ai eu quelques problèmes pour la mettre. Pour l'utiliser avec la perceuse à colonne, donc je l'ai fait avec la perceuse à main. Et maintenant, c'est le plus rigolo, on va pouvoir ranger toutes ces petites fraises. J'essaie de les ranger par famille, c'est-à-dire fraise droite, fraise quart de rond, fraise 45 degrés, et voilà ce que ça donne. Un rangement vraiment nickel, ça m'a pris quoi, même pas une petite heure pour faire tout ça, et ça va me permettre justement de les ranger et de les stocker correctement. Comme sur le mini-épisode précédent, j'ai aussi un code couleur pour mes fraises, c'est du bleu clair, et donc je redécore et je repeins mes trois boîtes en marquant bien sûr dessus exactement qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire fraises pour défonceuses, diamètre 6, 8 et 12. Et voilà, ça peut aller rejoindre toutes ces petites boîtes, toutes ces copines et ces copains boîtes, où je stocke aussi plein d'autres merdiers. Et c'est accessible, c'est relativement simple, et surtout ça les protège et ça me permet de stocker tout ça dans un même endroit. Je suis très très content du résultat, c'est le genre de petit aménagement qui change énormément la façon de faire. J'espère que cet épisode vous aura plu, et à très bientôt.